I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Rebonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'édition 6.5 du Wrestle Rock Podcast, consacré exclusivement à la musique. Mon nom est Benoît Laferrière. Je suis en compagnie de mon éminent collègue, Jonathan Drapeau. Comment ça va, Jo? Hey, ça va bien, Ben, ça va bien. Très bien. Bien content de te retrouver pour une deuxième fois dans cette soirée. Ben oui. De grosses nouvelles nous attendent. Oui, c'est ça. Donc, comme tu disais, dans le fond, on est dans le bulletin musique. Donc, commençons tout de suite en parlant de la programmation du Festival d'été. Finalement, le FEC a annoncé sa programmation qui aura lieu du 8 au 18 juillet prochain. Donc, voici ce qui est écrit dans le site, c'est confirmé. Vous avez définitivement hâte de retourner voir des spectacles. Et bien évidemment, attendez-vous pas de voir des Lady Gaga cette soirée-là, puisqu'il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de Metallica, il n'y aura pas de Céline Dion non c'est plus. C'est ça. Donc, c'est 12 artistes dans la programmation. Plus de 12 artistes, hein, c'est ça. C'est... Web diffusion grâce à la série virtuelle présentée par Bell Canada, entre parenthèses français. Ouais, fait qu'il va y avoir des Ludovic Bourgeois, les deux frères, Cœur de Pirate, des Paul Pichet, des Steve Hill. Puis il fallait bien qu'il y ait un Jonathan Roy. Puis il n'y a pas aussi notre ami, comment il s'appelle là, le mouton noir de la télé. Là. Voilà, regarde, il y a Matt Lang, Clay and Friends, Valère, Émilie Bilodeau, White B et Geoffroy. Jonathan Roy, tu l'as nommé. Yes! Mais notre ami, c'est qui au juste? Lui qui est les petits moutons noirs, les cheveux frisés, là, comment il s'appelait déjà? C'est un chanteur québécois, pas Paul Pichet, mais... Non, Paul Pichet. On caroline. Charles Lebois. Il est là-dedans. Ça, mais j'ai pas vu son nom. Il me semble qu'il est là-dedans, mais bref, j'ouvre une petite parenthèse, mais il me semble qu'il est là-dedans. Dans le deuxième Wrestle Rock Podcast, on vous avait parlé de la tournée du Stadium de Motley Crue, qui impliquait dans le fond Diff Flipper, Poison et plusieurs autres. John Jett and the Black En fait, Hearts. C'était supposé d'être en 2021, et bien il est reporté en 2022. On a su ça récemment, c'est genre, c'était à mi-mai que ça s'est décidé. C'est ça. Et c'est ça, là, on voulait pas vous induire en erreur, donc on corrige l'erreur qu'on a dit, autrement dit. Parfait. Étant donné qu'Éric Lapointe a plaidé coupable à des accusations de voies de fait, ces spectacles Cogeco en Mauricie sont annulés par principe. J'ai une petite anecdote à propos d'Éric Lapointe, tu sais... Il a pris une 24 à lui tout seul, ça m'étonne pas. Éric Lapointe a toujours eu un peu de problèmes de consommation, ces choses-là, tu sais, puis on avait un ami en commun qui c'est dans le fond, sa blonde, c'était la sœur de l'ancienne femme Éric Lapointe. Oui, quand on l'a... Il sortait avec une comment elle s'appelait? Ah, c'était une barmaid à Boulatex, c'était ça? En tout cas, c'est une des filles, là. En tout cas, je me souviens pas de son nom. C'est sûr, ça te semble. Je me souviens d'un soir où on était avec Dominique Boucher. Tu sais, Dominique Boucher. Ah, t'es avec Kevin? Non, puis moi, j'étais au... Au Dagobert. J'étais au Dagobert, puis Éric Lapointe était avec nous, puis il nous a pas adressé la parole de la soirée. Il était chaud, ben raide. Puis c'est nous autres qui l'avaient sorti du bord à la fin de la soirée. Bref, c'est une anecdote, mais ça reflète un petit peu... Éric Lapointe. Mais là, il s'est calmé quand même. Il s'est calmé, mais. Une couple d'années, il est moins pire qu'il était. Là. C'est hot. Là, mais dans la tête, à force, le sirop de grand-père. C'est ça. Du 16 au 18 juin 2002, il y aura le Akzena Rock Festival en Espagne. Et puis quand des groupes comme Patti Smith and Ben, The Offspring, Social Distortion et plusieurs autres. Ça promet. Également, on va parler de Judas Priest pour leur 50e anniversaire. Judas Priest va avoir une tournée nord-américaine de 37 spectacles du 8 septembre au 15 novembre avec comme artiste invité Sabaton. Ça, je connais pas bien Sabaton. Tu connais-tu un peu?
Je connais le nom, mais... Non, du tout, je les connais pas beaucoup, mais... corrige-moi si je me trompe, récemment, il n'y a pas un membre de Judas Priest qui est décédé. Ouais, ça, je l'avais parlé dans un autre podcast. Ok, oui, oui, oui. L'ancien drummer, je pense. Baisser ça, mon... En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, on ne sait pas tout. Là. Mais voilà. Le prochain album de John Mayer sortira le 16 juillet prochain. Il va s'appeler Sub Rock. On va mettre des chansons sur notre page Facebook et sur nos médias sociaux prochainement. Du 21 au 25 juillet prochain, il y aura le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, mesdames et messieurs. Avec des artistes en vedette comme Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, Steve Hill, qui joue du Hendrix. Hein, Steve Hill joue Hendrix. Et plusieurs autres. Ah, mon Douceur, c'est qui dans le sens, ça? Ah. Ok, ouais, c'est, non, c'est le nom d'un band. Oui, oui, oui. Je pensais à mon Douceur dans le sens, ça va être. Ben, ça va être tout aussi, là. Yes, yes, yes. Le chanteur britannique, et là, c'est pas Eric Lapointe, c'est Eric Clapton. Fera un spectacle le 8 juin 2022. Ce sera au Ziggodome d'Amsterdam, dans les Pays-Bas. Ça promet, mesdames et messieurs. Il y a une nouvelle chanson de Twisted. Tu connais ça, Twisted, Joe? Ah ben, oui. How does it feel to feel good? How does it feel? J'en connais un qui rentrait là-dessus à la lutte. Ah ouais. Il me ressemble, ça, là. Ouais, c'est ça. Une nouvelle chanson de Twisted et de Ice Nine Kills, Envy. Le nom de la tune, c'est Envy. Elle est sur l'album Unlikely Prescription, qui sortira le 10 septembre prochain, dans un peu moins de 3 mois, mesdames et messieurs. Yes. Fiddly, le bassiste de Korn. C'est qui se passe avec lui, non? Reginald Arvisus. Il t'a le nom. Ne jouera pas. Ne jouera plus ou ne jouera pas? Ne jouera pas pour des, raisons, pour des raisons de santé. Avec ses autres collègues lors de la prochaine tournée du groupe Korn. En gros, dans le fond, là, il veut prendre un peu de recul, puis on lui souhaite de revenir en force très vite. C'était un lutteur, on dirait, qui soigne de vieilles blessures. C'est ça. Puis si c'était un vétéran de la guerre, ce serait la même chose. Ouais, exactement. Le prochain album de Slipknot sortira dans le courant de 2021. On n'a pas le mois encore, malheureusement. Non, c'est ça. Ce serait un album un peu similaire à celui d'Iowa, selon les dires de Sean Clown Crayon. Iowa, c'est le deuxième album, je pense, de Slipknot. Ça se peut-tu? Je pense que c'est le deux ou le troisième. En tout cas, il est bon, l'album, là, ça torche. Yes, le Hellfest 2022 aura lieu du 17 au 26 juin et impliquera des grands Ben. Écoute ça, mon Ben. Ben oui, Ben, ouais. Vas-y. Deftones, Guns N' Roses, Metallica, Megadeth, Alice Cooper qui sera probablement avec Ace Frehley. Peut-être. Puis Avenged Sevenfold. Et puis Coheed and Cambria and the Use 2021 US Tour Dates. Il va y avoir 18 shows dans le fond. Ben, je vais nommer les dates. Ouais, vas-y, mon ami. Okay, ben, dans le fond, c'est ça, 18 shows, et voici les 18 dates de ces shows. Le 27 août à Los Angeles, le 28 août à Phoenix, le 30 août à Salt Lake City, 31 août à Denver, 2 septembre à Irving, le 4 septembre à Austin, le 5 septembre à Houston, le 7 septembre à Wichita, 8 septembre à Saint-Louis, 11 septembre Columbus, 12 septembre Cleveland, 14 septembre Indianapolis, Cincinnati, peux-tu le dire, Casti? Mm-hmm. 15 septembre Indianapolis, 18 septembre Worcester, 19 septembre Holmdel. Mon Dieu, il n'y a pas de break, hein, c'est toutes des shows. 29 septembre Baltimore, 22 septembre Raleigh, 24 à Jacksonville. Jacksonville. T'as-tu remarqué que ça se suit, hein, de la côte ouest? Après ça, ça s'en va dans le Midwest, puis ça s'en va jusqu'à la East Coast. Ouais, c'est assez intense, hein. En parlant de tournée automnale. Ouais, vas-y. Dans le fond, ça impliquerait Knock Loose, Gate Creepers et Magnitude Karma. Du 3 septembre au 8 octobre, c'est une tournée de 30 spectacles. Wow. Hey, 30 spectacles, c'est. Ils font ça de t'as pas du 3 au 8. Quasiment un par jour. Ah, facile. Il y a peut-être 2-3 jours de briques, pas plus là-dedans. Oui. Ils vont être brûlés, petit gars. On parlait de Metallica tout à l'heure qui allait faire partie du Hellfest. Ben, figure-toi donc, mon Ben, que Metallica fera une tournée européenne de 7 concerts intitulés The Return of the European Summer Vacation en juin et en juillet 2022. C'est sûr que, tu sais, les tournées ont
ont décalé vers 2022 suite à la COVID. Maudite COVID. Abat la COVID, abat la COVID. Pas la COVID. La première date aura lieu au festival Copenhague de Copenhague au Danemark le 15 juin 2022 et la tournée se poursuivra jusqu'au Nos Alive à Lisbonne au Portugal le 8 juillet prochain. Okay, mais dis-moi pas que tu connais tes capitales de pays d'Europe. Yes. Ensuite de ça, c'est quoi qui se passe avec Iron Maiden? Il se passe qu'ils ont de la bière. Ouais, Iron Maiden ont toujours eu de la bière. C'est toujours disponible sur le site de la SOQ ou sur leur site web. Mais récemment, Iron Maiden ont sorti encore plus de choix. Ils ont même sorti une pompe à bière. C'est vraiment cool. Une pompe à bière? Comment c'est fait, ça? Tu me fais rire. Non, une pompe à bière, c'est un distributeur. C'est pour la bière en fût. Là. Ah, ouais. Ben, t'as pas, il y a un fût, mais il n'y a pas un autre terme. C'est de la bière en fût. La bière en fût. Pompe à bière. Pompe à bière. Oh. Ça veut dire qu'au McDonald's et au Burger King, c'est une pompe à liqueur, c'est ça qu'on dit? C'est ça, exactement. Une pompe à thé glacé. C'est ça. Dans sex shop, c'est d'autres sortes de pompes. Donc, écoutez, ce fruit bref et court et touchant. Donc, c'est ici que se termine l'émission 6.5 du Wrestle Rock Podcast. Nous vous invitons à partager, commenter, nous suivre sur les médias sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Alouette. Mon nom est Jonathan Drapeau. Je suis. Ça m'a fait plaisir de faire cette émission 6.5 avec moi. Avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière. Merci, mon Ben. Ça fait plaisir. Puis, chers internautes, chers auditeurs, ne manquez pas notre prochain Wrestle Rock Podcast, qui sera un spécial sur l'une des plus grandes écuries de la lutte professionnelle, la New World Order. La NWO, les amis. Alors, soyez-y, mesdames et messieurs. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! The Spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N.W.O. The Rock says, sweet baby Jesus in the office.